Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo ouverture de Poupée LOL. Donc on a deux Poupées LOL Kana et une Poupée LOL comme ça, boule. Donc c'est parti! J'espère que dans cette boule là je vais voir une ultra rare, en tout cas une jolie. Donc c'est parti, on va commencer. Alors, voici le message. Donc voilà le premier papier. Donc c'est une bombe plus des petites étoiles. Et du coup, on va passer à la dernière. Il y a le petit crochet. Et puis, alors. Ce qu'on va faire, c'est commencer par le plus petit au plus grand. Nous avons eu une paire de lunettes. Alors ensuite, on va ouvrir le deuxième. Le petit bibi, il est trop beau. Alors ensuite, nous avons eu le petit bibi. Trop joli. Alors ensuite, sachet. Ah lui, il est trop beau. Alors, ensuite, il y a des bottines. Et les vêtements. J'aurais celle-là que je voulais. Il y a un petit pantalon noir pailleté. Un petit maillot trop joli. Et maintenant, on va ouvrir la poupée. J'espère que j'aurai celle-là. Parce que si c'est pas celle-là, elles se sont trompées. Est trop belle. Donc voilà, une fois qu'elle est habillée. Deuxième boule, alors c'est LOL Trap Surprise, donc on va l'ouvrir. Il y a une flèche vers le bas avec un poisson et un coquillage. Troisième et dernier, alors, ça se présente et en plus on aurait dit que c'est une sirène. Et donc là, comme vous le voyez, il y a plein de petits camnas pour ouvrir les petites capsules. Maintenant nous allons ouvrir la capsule et bien sûr je vais m'aider de les codes. Donc le premier, c'est une couronne et un diamant. Bah c'est déjà mis, du coup on va ouvrir. Et bah ça s'ouvre. Ensuite on a la petite poupée. Et en fait on enlève les bouts de plastique et pour décorer. On l'ouvrira à la fin. Voilà. Et le petit flyer, il est trop cute. Et nous on a la petite sœur de elle. Ah oui, c'est vrai. Et à l'arrière il y a plein de jeux. Alors, je laisse le flyer à maman. Et il y a aussi un petit sachet. Et ensuite, on passe au deuxième. Donc là, c'est le deuxième. Et ben oui, ça s'est ouvert. Alors, voici le sachet. Voilà. Donc on va refermer. Prochain. Luna, il casse tout. Du coup, là, je peux le sortir. Mais t'as pas trouvé le code, si? Non. Elle l'a ouvert sans trouver le code. Bon, d'accord.
Si tu veux. Je l'ai cassé en fait. Bah voilà, t'es douée, hein. Alors, je sais pas c'était quel code, du coup, on va faire. Et bah, c'était celui-là. C'était lequel alors? Le machin bidule. Le machin bidule. Et le cœur. D'accord. Celui-là. Ok. Il y en a trois qui sont supprimés, du coup. Ensuite, il en reste un qu'on n'a pas ouvert, non? Et bah voilà, il est ouvert. Il a fonctionné? Oui. C'était un bonbon et un citron qui étaient déjà mis. Ah bah tu vois. C'est un truc machin bidule encore. Je sais pas si tu peux. Donc là, ça y est, tu as tout ouvert? Oui, on croit. Ok. Et bah on va passer à l'ouverture des petits sachets. Il peut rien dedans. Bien sûr. Petit rond bleu, c'est pour les populaires. Le petit losange, c'est pour les chics. La petite étoile, c'est pour les rares. Le petit carreau, c'est les ultra rares. Et le hashtag, c'est en chemin. Donc la première, c'est la ultra rare. Donc c'est la sœur de celle que Luna avait eue dans la Little Sisters. Celle-ci, c'est une populaire. Celle-ci, une chic. Celle-ci, une populaire. Elle est très mignonne aussi. Si également une populaire. C'est de là des populaires également. Une chic. La première, c'est une populaire. La deuxième, une chic. Si une ultra rare. Celle-ci, une chic. Franchement, elles sont toutes canon. Moi, j'aimerais trop avoir elle. Oui, c'est vrai qu'elle est super jolie. Bon, on verra bien, il y en a vraiment énormément à collectionner. Je veux toute la collection, mais ce que je veux, c'est celle-là. D'accord, bon, on verra bien ce que l'on va avoir. Donc, on va commencer par le sachet. Premier sachet, et on ouvrira la poupée en dernier. On garde le suspense. Il a encore tout fait tomber. C'est le vêtement de la poupée que je veux. Mais c'est pas possible! Elle dit qu'elle veut une poupée en particulier et elle a toujours celle qu'elle veut. Non mais, tu nous caches quelque chose, tu as des dons de voyante, Luna? Non. Donc c'est une populaire si c'est celle-ci. Et je pense que c'est celle-ci. Est-ce que c'est une rare? Non, ce n'est pas une rare celle-là. Et donc on a eu les vêtements que j'adore. Second sachet. Je pense que là c'est le biberon. Il est trop cute, il est trop beau. Bleu et rose, il est trop beau. Bon Luna, arrête de jouer ta belle, non mais oh. Voilà, le biberon, il est trop beau. Et le dernier, mais pas le moindre. Dernier sachet. L'avant-dernier sachet, on va dire. Ouais. Avant d'ouvrir la poupée. Ah non, il y en a encore un, tu vois. Les chaussures. Et donc, on a la casquette blanche. Dans les sachets. Ah, ils sont trop belles les chaussures. Oh, ils sont trop mignons. Donc on a eu des petites chaussures bleues trop mignonnes. Maintenant on va découvrir le poupée, même si je sais c'est laquelle. A few moments later. Et donc voilà à quoi elle ressemble. Et du coup maintenant on va découvrir les yeux d'abord. En plus elle cache. Et voilà. Ça, ses petits yeux, ils sont très chers. Ils sont bleus. Comme mes frères. Comme Naïm. Maintenant, les petits. En fait, c'est spécial ça. Bras ou mains, je sais pas c'est quoi. Si je arrache la main, ça va pas aller. Et ben voilà, on la déshabille. Oh,
trop belle, je crois que ça... Oh my god. Ça se change à l'eau. C'est vrai? Bah oui, parce que là, regarde, et après, il y a des petits trucs, là. Arrière. On testera. Et on va lui arracher la tête. C'est vrai qu'on peut la passer sous l'eau. Elle est trop belle! Voilà comment elle est trop magnifique. Elle est trop magnifique, de chez magnifique. Regardez, je bois mon cappuccino. Ah, qu'est-ce que c'était délicieux! Donc voilà, la poupée est très magnifique. Je l'adore vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et toi, tu l'aimes bien? Bien sûr. Bon, on passe à la suivante. Let's go. Donc voilà, c'est maman qui ouvre la dernière. Puisqu'elle a toujours rêvé d'en ouvrir. Donc on va regarder le petit message. Look for the secret closed. Il y a le petit code. Alors, premier message. Du coup, c'est la couronne. Donc on va chercher ici. Voilà. Et le diamant. Voilà. Et maintenant, on va voir. Non. À toi. Alors, nous allons tester. C'était quoi déjà? Le trèfle. Trèfle et le chat. Le trèfle et le chat. Voilà. Non, il ne veut pas s'ouvrir. À moi. Premier sachet, donc Luna va l'ouvrir. Alors. C'est le biberon. Oh, il est trop beau, c'est un milkshake. Donc voilà le petit biberon. Donc c'est un milkshake, il est trop beau. Et oui, ça s'ouvre. Du coup, c'est pas si beau. Et voici le sachet. Alors, je pense que c'est les chaussures. Ce sont les chaussures. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Attention. Suspense. Voici les petites bottines. Et je crois que c'est celui que je voulais. J'ai dit bébé. Oui. Oui, je peux ouvrir. C'était la couronne et le diamant. Waouh. Regardez-moi cette magnifique tenue. Donc nous pensons que c'est celle-ci. Là nous allons ouvrir le personnage. Donc la petite poupée. Vu que c'est moi qui commande. On a bien ouvert. Diamant. Alors. On est prêt. Oui. Moi je voulais le petit sachet. Et voilà ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc là, on va ouvrir le petit sachet avant. Il est trop beau, c'est un petit ours. Regardez-moi comment qu'il est trop chou. J'adore. Couleur menthe en plus, trop canon. Et voici la poupée. Elle est vraiment trop canon. Donc bon, on va l'habiller, c'est parti. Et voici. Elle est vraiment... Trop canon. Regardez-moi son petit bonnet, sa belle robe, ses petites bottines et regardez-moi ses cheveux tout roses. Elle est trop mignonne. Franchement, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve canon. Bah, il n'y a personne. Si! Donc voilà toutes les poupées là qu'on a eues. Donc celle-là de maman qu'elle a ouverte. Oui, c'est toujours à moi. Celle-là que j'ai ouverte. Et l'autre que j'ai ouverte. Elles sont vraiment... Trop nulles. Elles sont vraiment trop bien.
sont vraiment trop 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 belles. Surtout t'es contente? Elle. Oui. On va vous les montrer un petit peu de plus près. Maintenant j'en ai 4. Ça c'est la toute première qu'elle a eue. Ensuite, la deuxième. Celle-ci. La troisième que j'ai eue. Et la quatrième. Et celle-ci est vraiment trop canon. Et je voulais vous montrer un petit truc. Regardez tout le bazar qu'on a fait. Voilà, quand on ouvre des poupées LOL, le bazar qui se passe. Attends, je serais très contente d'avoir eu ces 4 poupées LOL. Vu qu'il y a le bébé. La toute minuscule de toute la collection. Et du coup, je suis trop contente. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette vidéo. En tout cas, moi, j'ai adoré la faire. Adoré ouvrir toutes ces poupées LOL. Ces 3, précisément avec les 4. D'ailleurs, on vous mettra le lien dans le petit i de cette petite poupée que l'on a ouvert. Parce que c'est une rare. Ouais, avec plein d'autres. Voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires et la chaîne. Et si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Bisous les poupées là.